je suis en seconde commerce et je suis avec mon camarade Bastien, Noémie et Harmonie. Alors Bastien, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'on fait en seconde commerce? Pas de souci. Donc comme tous les lycées, nous apprenons les matières générales, comme les maths, le français, l'anglais et l'espagnol en seconde langue. Et ensuite, nous avons les matières professionnelles, comme la vente, la gestion, la communication, l'éco-droit, puis le PSE. Noémie, est-ce que tu pourrais nous parler des périodes de stage? Alors oui, donc en un an, on a deux périodes de stage d'une durée de 4 semaines. On est en entreprise, donc on choisit n'importe quel magasin. Donc on choisit et on apprend à faire de la mise en place, du facing, on fait de la vente, on a des rapports de stage avec des questions sur l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez du lycée? Bah, le lycée, il est super parce que du coup, c'est un petit comité, on n'est vraiment pas nombreux. Dans une classe, on est 15, alors du coup, c'est vraiment bien parce que les professeurs, ils nous aident plus parce qu'on n'est pas nombreux. Ils sont surtout à l'écoute aussi. À l'écoute, puisqu'ils peuvent prendre les élèves un par un pour leur expliquer spécifiquement ce que nous devons faire. Comment vous trouvez le lycée? Génial, vraiment. Génial. Il est trop bien. Génial. Bonjour à tous, donc je suis Madame Saint-Paul, professeure au lycée Françoise d'Aubigné. J'interviens dans la section commerce qui prépare en fait au métier donc de vendeur dans la grande distribution, dans les grandes surfaces spécialisées, mais aussi en boutique. Donc pendant les 3 années de bac pro, les jeunes apprennent les différentes notions du métier, à savoir donc le montage d'un projet d'animation en magasin, donc la promotion d'un produit, la participation aussi aux événements du magasin, la vente aussi, donc le contact avec le client, donc dès qu'il rentre en magasin, la notion de conseil. Et en fait, dès qu'il ressort du magasin avec la prise de congé. Il y a aussi la partie gestion. Donc en fait, l'élève apprend à gérer son commerce en analysant les performances du point de vente, donc le chiffre d'affaires, la marge, mais aussi limiter ses coûts. Bonjour, je m'appelle Anissa Kiker, j'ai 16 ans et je suis actuellement en première bac pro vente au lycée Françoise d'Aubigné à Mâcon. J'ai choisi la filière de la vente pour les cours qu'il y a, c'est-à-dire l'éco-droit, la gestion, la vente et la communication. Nous pouvons aussi faire des stages pendant l'année. J'ai donc effectué un stage dans une agence immobilière et un autre chez un constructeur de maison. Je m'appelle Maxime Crête, j'ai 18 ans. Ça fait 3 ans que je suis au lycée Françoise d'Aubigné à Mâcon. J'ai commencé par un CAP dont les professeurs du lycée Françoise d'Aubigné m'ont redonné l'envie de travailler et confiance en moi. Ça m'a permis d'acquérir toutes les compétences pour le CAP afin d'aller en bac pro, dont j'ai eu la possibilité d'aller en première. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je travaille en cours pour être formé à la vie professionnelle en tant que vendeur. Bonjour, je suis Florence Héron du lycée Françoise d'Aubigné Mâcon. Je suis professeure de gestion et de prospection. Pour nos bacs pro-vente, les entreprises attendent de nos jeunes du dynamisme, de la curiosité, du respect et de la motivation. Les titulaires bacs pro-vente pourront ensuite continuer par un BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Cette relation entre les jeunes et l'entreprise, entre les jeunes et le lycée, est très importante. Elle permet de former des professionnels, quelle que soit l'activité de l'entreprise, que ce soit à vendre des voitures, des maisons, mais également nos jeunes sont aussi appelés à vendre des objets publicitaires ainsi que des soins de beauté. Et j'étudie les matières générales comme le français, l'histoire, les maths et les matières professionnelles comme la gestion et le secrétariat.
Et toi, Gamze, pourquoi t'es venue dans ce lycée? Coucou, moi c'est Gamze, donc j'ai 17 ans, je suis en gestion d'administration. Je suis venue dans ce lycée parce qu'auparavant, j'ai fait un lycée général et on était beaucoup par classe et on n'arrivait pas à travailler. Donc je suis venue dans ce lycée et j'ai remarqué que nous ne sommes pas beaucoup par classe et que les profs peuvent nous suivre personnellement. J'aime beaucoup ce lycée aussi parce qu'on a une salle informatique, on peut réviser et travailler. Et toi, Denis, t'as été où en stage? Bonjour, moi c'est Denis. Pendant notre période de formation, on a fait plusieurs stages. Pour ma part, mon dernier stage, c'était dans un cabinet paramédical dans lequel j'ai appris à utiliser les logiciels informatiques comme Word, Excel, qu'on voit souvent en cours. J'ai aussi découvert le métier de secrétaire médical qui m'a beaucoup appris. Et sinon, les filles... Bonjour, Madame Bouvray, professeure de gestion administration au sein du lycée Françoise d'Aubigné. Ce baccalauréat professionnel consiste à voir la partie gestion et administration des entreprises en passant par la réalisation de projets au sein des 3 années de formation. Il est principalement axé sur tout ce qui va être ressources humaines avec une grosse épreuve en étude de cas sur le recrutement du personnel, sur la formation professionnelle et en lien avec l'économie droit. Ce baccalauréat est composé de 12 heures d'enseignement professionnel. Cet enseignement se fait principalement sur poste informatique pour être au plus près de la réalité du monde professionnel. Et... Bonjour, je m'appelle Maxence Yvon, j'ai 17 ans, je suis actuellement en seconde CAP au lycée Françoise d'Aubigné. Pourquoi j'ai choisi ce lycée? Parce que ce sont des classes avec de petits effectifs, donc ce qui permet pour moi de faciliter mon apprentissage et puis pour avoir beaucoup de relations avec les professeurs. Notre établissement est un établissement privé catholique sous contrat. Je m'appelle Grégory Magnier, je suis le chef d'établissement depuis la rentrée 2018 du lycée Françoise d'Aubigné à Maintenon. Nous sommes un établissement à taille humaine avec à peu près 150 élèves et nous proposons différentes filières à nos jeunes, notamment un CAP vente, un bac professionnel vente, bac professionnel commerce, bac professionnel gestion administration également. L'objectif pour nous est prioritairement, bien sûr, de former nos élèves à leur diplôme. Deuxièmement, c'est également de les préparer à leur avenir personnel et professionnel, de former des jeunes autonomes, responsables et épanouis. Les moyens qui sont mis en œuvre au sein de l'établissement sont pour moi de différents ordres, c'est-à-dire dans un premier temps, on a une équipe qui est soudée et très investie pour permettre aux jeunes de réussir et notamment au niveau de l'écoute, puisque chacun d'entre eux a besoin d'attention et d'écoute. Deuxièmement, nous avons un cadre qui est bien fixé dès le départ pour permettre à nos jeunes d'avoir en fait une direction favorable à leur réussite et à leur épanouissement. Et en troisième moyen pour nous, ce serait que les classes sont à effectif réduit, puisque nous favorisons une politique plutôt de classes réduites en termes de quantité d'élèves. Et c'est d'autant plus favorable à la réussite, puisque chacun peut avoir un temps individualisé et un suivi personnalisé par les professeurs. En conclusion, l'intérêt pour chacun des jeunes qui vient chez nous est de travailler avec l'équipe qui du coup s'investit pour eux. Et ça leur permet de réussir avec un taux de réussite chez nous compris entre 90 et 100% de réussite. Et puis aussi surtout de se préparer à la vie professionnelle qui les attend et à leur vie personnelle.
PSC1. Alors, le PSC1, donc on est tous ensemble aujourd'hui pour faire une formation PSC1. C'est de la prévention au secours civique numéro 1. Dans cette formation, nous verrons ensemble des gestes qui permettent de sauver. Donc, vous allez faire un geste, une formation citoyenne, généreuse, et qui va vous permettre aussi de vous épanouir peut-être professionnellement avec cette formation. Alors, on a pour objectif de vous faire sortir du lycée avec un diplôme de secouriste, parce que c'est un geste civique. Est-ce qu'on devra passer un autre diplôme de secouriste ? Alors, à la fin de votre cursus scolaire, vous aurez même deux diplômes de secouriste, parce qu'ensemble, nous passons le PSC1. Et dans 2 ans, vous passerez avec M. Magnier le SST. C'est le même principe, sauf que cette formation est adaptée au milieu professionnel.